Zami famille Adoué Lakayo, comment nous y est? Nous espérons que tout le monde en forme. Jeudi, c'est 28, demain, c'est 29. 29, c'est le dernier jour que le département d'État américain bail conseil présidentiel pour écarter, pour mettre trois conseillers qui impliqués dans le scandale BNCA pour mettre au dehors dans le conseil selon Pierre Espérance. Eh bien, il y a une grosse pression que international là spécialement département d'état américain k'ap mande pour que yo écarté monsieur yo, mais si yo pas fait ça, mais gen pris gagner sanction qui pral tomber sous res mambio selon sa Pierre Espérance lui-même ni partager ensemble avec nous. Gagner yon résolution que Leslie Voltaire président conseil là les présenter by conseiller présidentiel yo gen deux là-dedans yo qui accepté pour signer résolution ça pour que yo même yo écarté yo mettez ko yo et di yo non et conseil là, mais gen yon qui c'est Smith Augustin qui gagne raid et puis compromis historique qui campé dans Dolly. Eh bien, Smith Augustin veut bataille toujours, il veut bataille pour honneur li. Smith Augustin dit il pas fait yon pa kita yon pa nago zami famille an wè la kayo. On a vin avec et note ça que raid compromis historique a metté dehors pour appuyer Smith Augustin qui a bataille pour honneur li. Mais n'a vini avec résolution ça, gen trois points là-dedans que et Leslie Voltaire présenté avec monsieur yo qui nan résolution. Premièrement, donc faut que monsieur yo accepte yo démissionner ou bien yo accepte yo signer résolution ça, faut que mette signature en balle pour que yo écarté dans conseil présidentiel là. Deuxièmement, pour que gagne une majorité de 3 et sur 4, et puis troisièmement pour que monsieur yo accepte donc liquider droit de vote yo. Donc pour passer droit de vote yo avec un autre conseiller présidentiel. Donc ça veut dire si Louis Géragil accepte signer pour que li écarté nan conseil présidentiel là, donc droit de vote lien li ka passer by Fritz Alphonse Jean ou bien Leslie Voltaire ou bien Laurent Saint-Cyr ou bien Edgar Leblanc fils qui gagne droit de vote nan conseil présidentiel. Donc on est qui gagne deux qui pas gagne droit de vote qui c'est observateur. Par contre qui ça que même y a observé en dans conseil. Eh bien et monsieur Sayo si gagne une résolution qui pral signer en dans conseil là, une grosse décision qui pral prendre. Donc Leslie Voltaire, si c'est lui-même que par exemple Louis Géragil passe droit de vote là, Leslie Voltaire va voter pour deux. Même genre avec Laurent Saint-Cyr, si c'est lui-même qui t'a joint droit de vote ça que t'a passé. Donc c'est comme ça que résolution en lui-même et lui est vini. Eh bien, il y a deux nanay yo qui c'est Louis Géragil qui a accepté pour signer avec Emmanuel Vettiler. Mais Louis Géragil lui-même il t'a voulu toujours été dans parage là en background, il pas voulu sortir net en dans conseil là, il pas un problème non pour pas dans et grande décision yo, mais question et pour que retire le net là, il pas t'a trop d'accord. Eh bien Smith Augustin j'en nous dit la bataille pour que il rete dans et conseil là, nous gagnons raid et puis compromis historique yo même qui sorti yon note. Nous pas regarder note ça après, mais avant faut que nous tendez déclaration que Pierre Espérance a metté dehors jodian même. Donc demain 29 ans, c'est dernier jour pour que monsieur yo quitte conseil présidentiel là. Sinon gen gros retombé que international là, spécialement département d'état américain, donc pral sanctionner trois monsieur sa yo ou bien pral sanctionner tout reste membre conseil là, monsieur yo ka pèdi ni sac ni crab. Eh bien, pour ne pas perdre ni sac ni crab, demain 29 ans, vous êtes supposé signer une résolution pour dire monsieur, tu là quoi nous, donc pour que nous ne pas craser conseil là, pour nous tout pas perdu, mettez-nous dehors dans le conseil là. Donc, entendez Pierre Espérance avec en pile attention. Donc, Pierre Espérance dit, nous ne pouvons pas même couer moins, mais les que c'est international qui sorti une note ou bien un journal américain qui partagez avec nous, laissez nous pas dire oui représentant ENDDH là té bay vérité, même gens que barbecue les même té dit c'était Louis Géragil qui t'a éliminé militant politique là diction Norès. Eh bien après que Magali habitant la gué audio yo sur tout réseau hein, donc mais tout le monde n'a moins parlé là, donc gagné projecteur là qui l'humain sous lui Géragil qui c'est un conseiller qui impliqué dans scandale de corruption yo et actuellement là qui gagne non l'amour militant politique là. Eh bien entendez Pierre Espérance avec un pile attention, c'est que ou gagne un commentaire pas oublier
la geli en bas vidéo en entendé et après n'a vini avec déclaration ça que Red compromis historique fait ou pral dans décoser entendé Pierre Espérance. Tout d'abord, faut que nous dit c'est depuis scandale ça a pété dans le conseil présidentiel là qui gagne un gros impact sous fonctionnement et conseil là qui fait que conseil là pas ca et fonctionner et avec sérénité et qui fait tout trois et conseillers qui inculpés contrairement avec ça des monde abdi indexé si yo inculpé trois conseillers qui inculpés dans dossier et BNCA qui pour nous même ces derniers goutte d'eau pour renverser vert par rapport avec des autres et scandale et que yo est impliqué et mais depuis le scandale ça et administration Biden nan, et mandé CARICOM pour parler avec qui fait plusieurs discussions avec et ancien coordonnateur CPTA et sous l'ancien président CPT n'a pas nous voulait parler de Edgar Leblanc et puis il était fait plusieurs discussions tout CARICOM avec trois secteurs ça yo et qui gagne représentant yo et qui équipé dans dans scandale ça et ben les et démarches pas abouti parce que on connaît CARICOM là yo pas habitué avec type de bagaille ça yo dans question jeu rôle médiation et c'est comme ça depuis mois septembre et département d'état et décider que eux-mêmes y a parlé directement avec et CPTA et yo fait des délégations qui viennent en Haïti Blinken de vini gagne un deuxième ou l'autre délégation qui était gagne en tête li et numéro 2 et la question NSI Maison Blanche qui était vini et puis et avec tout ça yo et CPT a pas jamais fait aucun rien et les kounye la et gars pour quitter tête CPT a le 7 octobre et c'est comme ça on vient gagner un rapport et ILCCA qui sorti si me pas trop près le 3 octobre et ben quoi que rapport a sorti et même CPT ça qui indexé et qui le paye yo et ensemble yo vinn pour résolution et côté que gagnien Smith Augustin qui renoncé à présidence et comme c'est Leslie Voltaire qui était en troisième et position dans présidence sonat là il vinn prendre deuxième là et depuis ça et Leslie Voltaire avec l'autre on support et inconditionnel avec trois messieurs ça qui équipe yo et kounye la département d'état et administration Biden là frappé pied li dit et yo mandé Leslie pour messieurs ça yo trois messieurs ça qui équipe yo et ben pour yo mettre corps et sur côté et ben yo gagne 24 heures pour faire ça ça veut dire dès là et c'est demain 29 et octobre 29 novembre 2024 là et pour aller quoi bon comme on connaît c'est pas ni moi-même ni on même ni population qui mettait au côté là c'est américain yo et qui donc c'est au même tout. Allô oui attendez nous oui nous attendez non. Bon, non, madame, vous dites, c'est Américain qui mettez là, et là, il y a un problème de communication. C'est Américain qui mettez là, et c'est eux-mêmes deux qui mandent eux pour y aller quoi. Et donc, y'a gagné jusqu'à demain. Après, demain, et 29, et novembre, si y'a pas allé quoi, Américain, administration, annoncé, et que, alors, mais message là, c'est pas annoncé, parce que l'homme dit annoncé, c'est pour, et pour annonce publique, mais il dit qu'il exclut clair qu'il va sanctionner, et monsieur Sayo, et sanction capable, et l'ouvrir tout, il qu'a affecté l'autre membre en CPTA, si d'ici demain, il n'a pas fait rien. Ça veut dire, si M. Sayo prend une résolution ensemble avec l'autre, pour mettre corps sous côté, et si quatre l'autre continue à supporter, yo, eh ben, et a gagné et yo même tout gagné là-dedans yo ou bien tout cas est affecté par et sanction ça et laisse ça et tout capable de perdre ni sac ni crabe
Et donc, c'est Kounia, il revient à trois messieurs Sahel pour yo, faire un bagage, et sinon quatre lotio pour yon pour résolution et pour yon de trois lotio. Yon pas qu'à révoquer yon, yon pas qu'à pouvoir ça, yon pas qu'à prérogative ça, mais yon capable de décider par Chita ensemble avec yon, n'a pris une décision dans non l'État. Mais m'a parlé. Est-ce qu'il y a tout de même conseil des ministres qui partent? Si oui, pourquoi? Et oui, et comme on connaît, et c'est une pratique qui gagne, et depuis et sous et ancien premier ministre Garry Conille, et chaque lundi, et premier ministre a rencontré avec membre CPTO, ou bien rencontré avec le président conseil là, et chaque mercredi, il y a un conseil des ministres. Conseil des ministres hier, et nous dit hier, qui était de fait, et jour, et mercredi 27 novembre 2024 là, et il n'est pas fait, et parce que ni premier ministre, ni président et CPTA, ou bien si vous voulez dire le code de la CPTA, avec toi l'autre jour, et décidé par et continuer et engager l'État ensemble avec toi l'autre jour, par rapport avec pression et avec par rapport à pression mot d'ordre américain. Cependant, on constate toute dénonciation qui fait bon côté et secteur ça yo qui c'était là-dedans qui voulait qui gagne représentant dans CPTA et de l'autre groupe dans la société a yo pas branding et ça sont honte et pour pays a tout autant que c'est pas étranger à international là qui dit yo vous font bagaille yo pas tendez nous et dit clair que nous pas besoin arriver là les Leslie Voltaire et Fruit Jean et ceci, Laurent Ceci avec tout Edgar et les Blancs. Et tout de suite après rapport ILCCA, un rapport accablant pour trois messieurs Sayo qui sale image là dans la présidence qui est impliquée dans ce scandale ça, eh bien, yo t'es doué pour une résolution ensemble pour yo pas continuer à engager l'État ensemble avec toi, l'autre messieurs Sayo. Et dès que ça a tellement senti yo confortable, et eh bien, demain a fait 15 jours. Depuis trois messieurs, ça a été réuni, ensemble avec un raquette, observateur, dans le CPTA, n'oubliez pas de Fridel Joseph, ils ont été réunis et ils ont pris une décision pour et travail pour révoquer le directeur ILCCIA. C'est tout le bagage que ça a fait, c'est par rapport, un, avec Mdadou, un appui inconditionnel que l'autre, quatre l'autre, ils ont été bayo. Et deuxièmement, c'est surtout, comportement et membre CPT votant yo par rapport avec observateur yo qui te fait ça yo vle dans CPTA et yo pas arrêté dans limite yo comme observateur. Pour qui ça comment faire les monsieur Fidel Joseph Raquette pour qui ça ou bien oui à partir des données ça gain en même et rapport qu'il a ramassé pour montrer que Jean Fidel impliqué dans scandale n'a prend l'argent dans même monde pour mettre conseil électoral provisoire qu'on gain là et plusieurs là-dedans et continuer à harceler les monde directeur général jusqu'à son autonome l'État et puis de l'autre monde tout qui la prend l'argent pour mettre pour venir faire venir directeur général mais t'as coup et Faes bon monsieur Joseph Captain probablement il y a des gains de réponse mais il y a tout mettre répondre il y a tout mettre répondre mais au compte ça gain laissez nous même qui dit il y a questionné mais quand c'est blanc mettez ça nous dit sur papier il dit mais ça va un idée acheter compte. C'était Pierre Espérance. Avant moi rentrer dans l'autre déclaration sur question de l'amour militant politique là, on garder déclaration ça que Red compromis historique a metté dehors côté qui a dénoncé et ça qui a passé dans opinion publique là, côté qui a qualifié de machination politique qui visait à affaiblir le conseil présidentiel de transition hein, dans notre ça que a metté dehors côté que deux formations politiques yo exprimé plein soutien yo à représentant yo qui conseil présidentiel là qui s'est Augustin. Yo exhorté conseil là pour que li concentre sur priorité cruciale yo, exemple pour rétablir sécurité dans pays hein, pour renforcer conseil électoral provisoire là et puis pour que yo ka organiser élection et puis faire référendum. Donc question de divergence qui signalé dans mitan conseil présidentiel là concernant nomination directeur général yo dit ça c'est rumeur qui a pas circulé et côté qui ont fait quoi gagner international là qui a fait pression pour que yo mettez trois messieurs ça dehors donc ça a démenti
information ça que Pierre Espérance lui-même souhaite partager ensemble avec nous. Donc à côté yo fait référence avec un trois messieurs qui nan et scandale de et BNC hein les amis famille nous yo. Et bien yo dit que Metronome t'a contacté conseiller yo qui démenti allégation ça. Donc à côté qui visait uniquement pour fragiliser CPT. Eh bien, selon notre là, yo même, yo dit que conseil présidentiel là la prétend une décision juridique, OK, pour que yo prononcer donc en sous affaire ça zami et famille nous. Mais avant moi faire entendre, yon l'autre déclaration encore sous question de militant politique là qui mouri, qui c'est Dickson Norès. Gen cause rien dans la République. Eh bien, gros attaque qui fait non et ça vient à hier 27 ans zami famille nous côté que gagne moun qui tombé nèg en base gang griffio frappé et encore une fois et monsieur Bazan et gang griffio que n'a gardé ensemble avec à passion info et plus qui partager information ça avec nous là que n'a gardé ensemble et côté que dit monsieur Sayo nèg yo boulé et kay nan 4e section communale de marche de marchand des salines et côté et monsieur Sayo yo et tué donc plusieurs moun gen l'autre moun qui sorti blessé gen véhicule avec kay monsieur yo boulé mais attaque ça li fait nan 24 heures au moins de 24 heures après que la police nationale li même li annoncé que li te reprend contrôle commissariat lien cool hein. Et bien ça c'est image que police nationale te mette dehors pour dire que yo prend contrôle commissariat lien cool hein. Et bien monsieur yo et yo fait yon attaque là dans 4e section communale dans marché des salines dans département d'Artibonite donc pour yo montrer c'est même qui gagne contrôle en bas donc c'est pas la police. Donc nous avons que gagné MMS là force multinationale là tout qui est publié même image ça qui t'a fait quoi que même yo en bas y a bail sécurité pour que la vie reprenne dans la Tibonite. C'est notre ça que nous constaté donc en sous et page officielle de force multinationale donc des MMS MMAS là donc en amis et famille nous après que madame Magali habitant lui-même mettait audio ça de yo selon sa Pierre Espérance dit que monsieur dame ça semble ta une crise de jalousie et qui t'a fait que Magali habitant la gayé et la gay audio ça dans la rue eh bien et bagalan li vraiment fragilisé donc avni Louis Gérard Gilles dans conseil présidentiel là non seulement li gagné un scandale BNZ que non impliqué là-dedans et puis après là que non monsieur t'a cité dans l'amour militant politique Dickson Norès mais pour qui ça c'est Louis Gérard Gilles pour qui ça c'est pas un autre monde pour qui ça c'est pas Edgar Leblanc fils pour qui ça c'est pas Fritz Alphonse Jean pour qui ça c'est pas un autre conseiller mais pour qui ça c'est encore c'est Louis Gérard Gilles que non cité donc c'est question ça qu'a posé entendez Pierre Espérance qui a banon plus de détails et qui nous invite ou commenter en bas vidéo pour dire nous et son passé. Évoqué gain audio ça qui partagé par ou dit ça dans l'émission les côté nous t'aller Magali habite qui a parlé avec on monde qui c'est Dickson Norès c'est comme ça et monsieur Sanon indiqué lui et monsieur ça dit dans audio ça avec madame habitant qu'il est allé et joindre plusieurs chefs de gang et qui ça te permettre que Gérald Gilles conseil président parle avec eux et soit contre ça et qui commentait et Dickson Norès c'est un monde qui paraît le petit de Saline créé ça veut dire monsieur c'est un membre petit de Saline et il était toujours très actif dans mobilisation et les Ariel vient premier ministre, il t'a supporté yo et puis et j'aimerais tout son monde qui connaît et ça me connaît le 8 octobre le 8 novembre 3 jours avant et attaque terroriste ça fait et avec gang yo dans zone métropolitaine là côté que yo tiré yo touyé en pile monde et yo même fait une attaque terroriste sur aéroport et côté que gagne 4 avions qui prend balle et mais c'était le 8 novembre et Gérard Gilles bail et Dickson Norès mission pour et li al rencontrer et
plusieurs chefs et gangs terroristes et à partir des téléphones et téléphone Dixon Gérard Gilles parlait avec M. Sayo à qui il était parlé et il était parlé avec et chef gang Gravin et chef terroriste Latou et Barbecue et Chris Latou et l'autre encore et ça qui étonne nous c'est le fait que après conversation ça yo après mission Dixon Ores là c'est et tout de suite après nous ouais jour et dimanche qui était 10 novembre 2024 là et chef gang yo terroriste yo fait des déclarations côté que yo du premier pays et tête en bas zone métropolitaine là et c'est ça qui fait et jour et lundi et 11 novembre 2024 là qui donc et Gérald Gilles et pour nous-mêmes complices dans l'attaque terroriste qui a commencé le jour 11 novembre 2024 là. Eh bien, et Magali Habitant qui proche et Gérald Gilles et qui ont une relation et sentimentale, on va pas le qui dit qui était en relation qui ont une relation sentimentale avec lui et Magali Habitant c'est Gérald Gilles même qui était mettez le bon côté premier ministre Gary Conny Loé et Magali Habitant a nettoyé et plusieurs côtés dans zone métropolitaine là c'est Gérald Gilles qui était qui laisse ça qui était proche Gary Conny qui était balil et c'est comme ça comme Magali Habitant ouais c'est pas lui même Gérald Gilles bal mission hein, et mademoiselle était un petit Jean curieuse il fâché et il parlait avec Dixon lui enregistrer conversation hein, et il faut l'aide Kounia, le 18 novembre, yo exécuté Dixon Ores. Mais avant 18 novembre, là, c'était samedi 16 novembre, le, yo tap installé et gouvernement, et ben, et Dixon t'es dans zone, villa d'accueil, avec, et la primature, qui c'est résidence officielle là, et monsieur t'es fait gros déclaration, et côté qu'elle t'est vexé par rapport à gros, Gérald te fait li que et gang yo pral jouer un rôle et important et dans gouvernement ça et Dixon Gérald te promettait que la balle et yo poste dans l'état et après mission et Dixon après relé Gérald li pa ka joine ni et ben et après le 16 novembre les Dixon fin fait des déclarations devant dans zone villa d'accueil et résidence officielle là la primature le 18 novembre, et yo exécuté et Dixon et Ores et Sou et Delma, ouais. Et c'est tout de suite et après, comme Magali Habitante et Angio et plusieurs là-dedans yo et Tankou et Barbecue, il a pris fait des déclarations pour et condamner et assassinat. Et les ça a été commencé à indexer Gérald Gilles. Magali Habitant sent-il vexé? Eh bien, et c'est comme ça qu'il fait des déclarations. Et Jean Wella, hier, qui était pour vous. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a une espèce d'invitation qui te laisse comprendre que c'est Koni et mon proche qui a activé Gagnon pour ne pas perdre le pouvoir ou bien parce qu'il perd le pouvoir. Là, il y a des éléments qui tendraient à prouver le contraire, M. Espérance. Justement. Et non, premier temps, c'est ça. Et en pile monde te comprendre et même tout et les moi vinn parler avec des acteurs dans chaîne pénale là et avant même assassinat et Dixon Ores et nous vinn réaliser c'est gon membre CPTA qui était et voyé pour pipiti des monde et monde ça li pas tout monde c'était Gérald Gilles al parler avec et gang yo et bandi yo alors et à rencontrer pour sous téléphone mon niveau en mission avec Bandio et c'est comme ça et tout de suite après conversation Gérald Gilles avec Bandio qui commence le 8 novembre 2024 et le 11 novembre à Tourisio et commencé dans zone métropolitaine là. Maintenant on commentaire sur 1 500 000 que des militants de ça tu vois ou c'est monsieur Vertilier qui veut le bailler ou remettre comme parce que des grandes divisions entre eux. Pour mon réponse 2 minutes avant nous vous avez bien abordé les questions pour c'est de Stevenson Gauthier. Nous bien content et IRCC saisi et dénoncé ça et que ils considèrent comme abduction et c'est corruption qui est liée et ben n'attend et ligne faite et sous ça mais ça non. Dis-le que c'est saisi de ce cas. Oui, bien sûr.
bien sûr, bien sûr. Il s'est saisi. Et donc, nous-mêmes, ça n'a pas dit, et trois conseillers présidentiels qui sortis dans trois secteurs, ils ont impliqué jusqu'au coup dans la corruption, ils ont sale image là. Et au moins, il y a un nadan qui impliqué dans et déstabiliser les pays. Et attaquer la population dans des actes terroristes, nous voulons parler de... Je comprends la motivation, mais si c'est ça, quelles seraient les motivations de M. Gilles pour déstabiliser le pays? Quelle est la logique? Ou quelle serait la logique? Quelle est la réponse dans tout ça? Et nous allons monter des rapports, et puis nous allons tourner pour hélas là, et puis pour dernier point, nous allons aborder. Regardez votre point. Vous avez mis l'action publique en mouvement contre ça qui dit au niveau clamé public et qui concerne l'exécution et Dixon Norès à partir des déclarations que Magali habitant a fait et comme ça il a commencé étendre une série de monde et ça et société a commencé connaître qui motivation et Gilles Gaye côté que il était voyé Dixon Norès à rencontrer chef gang à partir des téléphones Dixon Norès pour te parler avec gang ça yo. Et 48 heures après, ou bien 24 heures après, et Gagnon commençait avec actes terroristes qui ont fait, qui commençait jour lundi 11 novembre 2024 là. Et même Jean-Tou, la police judiciaire, était doué faire, et même bagaille là. Parce que c'est pas normal, c'est inacceptable, c'est révoltant. Que y a toutes les paroles que j'ai dit sous exécution Dixon Norès et commissaire gouvernement. Son exécution. Non, parce que, écoute, et son exécution, côté que et Dixon te paraît un élément et gênant par rapport avec mission qu'il t'a rempli et Dixon son monde qui est parlé et Gérald Gilles te peur que et pour Dixon parle dénoncer. Et heureusement, et proche Gérard Gilles, Magali habitant qui a pile influence sous lui, et avant assassinat Dixon, et même Magali habitant était enregistré Dixon. Donc, et Jean information arrivé joindre la police judiciaire, et Jean lui arrivé joindre acteur dans la chaîne pénale là, et ça nous comprend tout. Les nous parler avec acteur yo Gérald Gilles c'est un suspect dans assassinat Dixon Norès. Maintenant qui ça ta motivation madame habitant pour l'enregistrer monsieur Norès et par contre comment fait c'est lui même qui a c'est lui c'est pas public. Si au public qu'il décide de mettre au public ça gagne une compréhension de ça l'ICEP c'est par rapport avec proximité et Magali habitant gagné avec Gérald Gilles qui moi d'une relation sentimentale. Et puis, c'est Magali habitant qui compte remplir mission ça. Et Magali habitant, ouais, que Gérard Gilles, c'est pas lui-même qui lui baille mission ça. Lui vexé, c'est ça que fait la questionner Dixon Norès. Maintenant, sur les réseaux sociaux, on sait le monde qui commence à plonger de ouais, je disais madame habitant qui active gang sous demande de Gary Conny. Moi, ouais, moi, je fais commenter ça. Est-ce que quelque part, en produisant ces éléments-là, ces contenus-là, c'est dit là, dit que. Doit être libre là et parfois ça. Est-ce que on peut comprendre comme ça ou pas? Bon, pas capable de dire doit être libre là et moi pas la police judiciaire et nous-mêmes travaillons tout, nous toujours éviter pour nous pas et entraver travail la police judiciaire et la police judiciaire c'est possible y ait information sous Magali habitant sous Wally joué dans dernier jour ça yo. Et dans ce qui a passé dans le pays, je dis que c'est possible. Mais pour ça qui concerne Dixon, ce n'est pas Magali habitant qui a fait la mission, ça, c'était conseiller Gérald Gilles. Mais lors de la situation, il y a plusieurs personnes qui ont agi, il y a plusieurs groupes qui ont agi, mais il y a face en bon, par contre, mâle et femelle. Bagay pour me parler pour la justice et la police judiciaire, ni parquet qui pas fait travail, yo, ni gouvernement, nous mandé autorité yo pour yo prendre responsabilité. Yo. Bandi ont été annoncés, théorie ont été annoncé, et alors le 11 novembre qui commence, le 11 novembre, théorie ont été annoncé depuis le 10, et il est clair que, et en pile mais là-dedans,
et qui en pile non qui cité, moi ouais, pas aucune interpellation qui fait, pas aucune monde qui est invité, nous-mêmes n'a pas été plus autorité pour faire travail, et puis vingon, qu'on y a vingon yon cas et exécution. Bon, nous parlons de déduction, mais en pile l'autre monde qui mourit, mais pour ça non déduction, parce que c'est lui-même qui a une mission ça. Donc, Gérald Jules, c'est un suspect dans assassinat Dixon Dorès, et j'aimerais dire où, et la police judiciaire et pas que Port-au-Prince, il y a des informations dans mes et sous monde qui est financé zak terroriste qui commençait et le 11 novembre et nous pas rien qui fait dans sens ça. Nous mandé pour qui est-ce qui financé yo? Moi même on voulait nous dit ça et puis après ça au autre moment là ouais pas que avoir arrêté mon la police, mon chef et Robertson Alphonse. Eh ben pas de problème, on va seul mon chef, mon chef tout dernier pour n'avoir pas dans 5 minutes. Bon bagay. Bon, un commissaire Livingston Gauthier qui était arrêté et au fait avec tout uniforme et il y a mon qui bah ça te font remont. Maintenant, Lydie n'a possibilité de gagner pour parler soit dans la presse ou bien et via des sites de médias en ligne, il dit que l'innocent, l'tapé sécurisé cortège monsieur Anthony Blinken et Jacqueline Charles fait une enquête pour Miami Herald et game quoi ces machines, si ma mémoire est bonne, qui était une vidéo qui montrait monsieur Gauthier machine ça a dit qu'il était tabar là et dans pratiquement presque le hack fait que il est possible pour d'être de côté à la fois et là il y a un juge Brunet Salomon qui bail un ordre de libération si j'ai bien compris provisoire pour lui-même et trois autres monde qui concerné dans le dossier. Maître Marudel cité dit que là il y a une violation droit client là monde qui là pour faire respecter la justice il a violé droit client là ou même et est en composition et en commentaire sur le dossier ça monsieur Espérance. Et tout d'abord et nous féliciter juge Capestri sur dossier a pour décision qu'elle prend les libérer Gauthier avec l'autre monde et c'est pas parce que nous voulons dire que pas rien pour reprocher monde non arrestation était faite arbitraire c'est une arrestation illégale il pas respecté procédure côté que c'est des policiers et qui a et au service d'une institution. Et Gauthier, c'est un monde qui a une réputation jusqu'à arrestation comme monde qui a combattu les bandits et qui a démantelé les gangs. Et si Kounye Lagon il commet une infraction ou bien il est impliqué dans un assassinat, il dit l'État, et bien il faut que la procédure et respecter, faut qu'il y ait respecté. Qui ça a été doué? Inspection générale de la police a été doué saisi, DCPJ et commencer enquête et puis qu'on y est là, l'air commencé à tant de monde et si et ça doit déboucher sous isolement au niveau et inspection générale ou bien mesure conservatoire et DCPJ, les ça nous t'as capable comprendre mais les nous première action qui posait dans cas Gauthier et l'autre c'est arrestation ça pas respecté procédure, ça n'a pas respecté la loi et ça vient par une perception et côté que et y a découragé, ça t'a capable et décourager l'autre policier qui bataille et contre gang. Nous pas entrer dans son dossier et nous pas comme ça lié, mais nous j'en ai dit au commencement, arrestation a été mal faite et ben et libération Gauthier avec l'autre, eh bien, c'est la loi qui triomphe sous arbitraire. Et il faut que les procédures respectées et pour tout le monde, quel que soit le monde. Non, ce n'est pas parce que les policiers a bataille contre banditisme, contre gang, s'ils font bagaille, ils méritent une sanction pour ne pas prendre non. Ils sont capables de faire, mais il faut que les procédures respectées, ils ne sont pas respectées. Eh bien, et c'est la loi qui triomphait sous arbitraire parce que nous dit nous constater arrestation était faite en dehors non en dehors principe en dehors la loi. On a parlé d'un commissaire de police et est-ce que ça qui arrivé Jean Dérivé et en dehors de connaissance ou assentiment directeur général de la police ça monsieur Normil Rameau ou pas? Moi même dit un bagage. M'a plante son message par Rameau et c'est ça qui toujours arrivé généralement avec directeur général de la police. Ou bien en administration publique là. Il y a trop haine, trop tripotaille, trop poté à l'éménégini. Et parfois, yo moun qui travaille là, yo retire li, yo mette moun qui pas capable. Ma bon exemple. Et sous LB, t'es un inspecteur général en chef et la police qui n'a inspection générale de la police. Ou un basson genoni, parce que c'est pas avec moi. Et le inspecteur c'est fort. Mais t'as rien mais qu'on est qui ça au monde pour reprocher au monde comme ça.
yo retiré, mais moun ki la, li pa fè mieux. Au contraire, nan ka Gautier, gen deux bagay. Soit nan ka Gautier, ni ancien commissaire et ni ancien directeur départemental police et la Tibonite là, qui gen tout moun sa mouri sou li et sou kont li, il va fè rien. Donc est-ce que moun sa li pi bon que sa te la avant? Non? Bah quoi? Mais c'est problème ça qui gagne. Chaque fois qu'on nouvelle qui équipe qui gagne, qui vient, au lieu que yo mettez leadership yo dehors et pour travail pour créer mettez sérénité au niveau institution, gagne zin, qui vote à bay, pas ouais, ça pas bon, c'est l'irrité et puis ça qui bon et puis avec cartel. Et donc pour moi-même, dans le cas Gautier, et ça qui passe là et premier monde pour être sanctionné, et c'était inspecteur général en chef là. Comment capable inspecteur général en chef la police ou un cadre dans la police là, qui y a arrêté le conseil et pour pas faire rien et du tout, même un rapport interne qui paraît pour dire comme ça, attention, et au niveau de DCPJ ou bien directeur général de la police là, ça nous fait pas bon et par contre ça fait à nous respecter procédure et monio mais qui j'en yoyé. Léo Météo, généralement, il y a des gens qui docile, qui capable de prendre forme comme Vaza, et puis laisse ça au détriment des institutions. Nous avons besoin d'unité dans les institutions. Nous avons besoin de sérénité. Nous pas chercher et nous ne pas devoir chercher et monde qui pour obéir et avec eux. Yo besoin et yo pas doit chercher moun ki loyal, nous besoin moun ki capable, ki compétent, ki capable faire honneur institution yo et qui a fait travail yo, qui a respecté ça la loi dit. Et donc ce problème ça qui gagne dans chaîne commandement et à partir de arrestation et Gautier et j'aimerais dire il était fait en dehors principe en dehors norme yo et inspection générale de la police a pas joué rôle li même si DCPJ était fait c'est pour inspection générale de la police qui devait camper pour dire non et norme yo principe yo pas respecté état major la police là et monsieur LBT en bas gros critique dans moment il va tomber, si tu as un aéroport qui est fermé, tu as un monde qui continue à mourir, et là, et la police a dégagé pour contenir les gangs. Si la police pas là, bagaille évidemment, tu as pire mal, ça, il faut reconnaître le sacrifice des hommes et des femmes de troupes, et des policiers d'une manière générale. Mais il y a des critiques tout par rapport à ce qui a privé, quand tu as tombé, quand tu continues à tomber, et aéroport fermé, et c'est sous commandement, monsieur Normil. Il y a des gens qui critiquent par rapport à monsieur Normil. Quel est votre regard et vos remarques et commentaires par rapport à M. Normil et à son travail jusqu'ici au sommet de la police nationale d'Haïti? Bon, écoute, Robinson Alphonse et tout le monde captain de nous là, et résultat est là, réalité est là, et police a et li pas bail résultat et sous et Normil Rameau et plus et Kem Tadoussa zone qui tombait en bas main et bandio et qui même pas ces problèmes ces deux et situation qui cause ça. Premièrement, manque de sérénité au niveau où état major faut qu'on passe mais qui fait dans état major et ça pas veut dire que moun yo obligé na connivance avec bandi mais il y a des monde qui pas dans portion ouais et il y a des monde qui pas dans plation que même penser que faut qu'on passe mais et faut et leadership là il existait et au niveau de la police à côté que avec question zin tripotaille la faut que bagaille ça est fini mais ça nous capable dire et pas gain ou amélioration par rapport avec ça nous t'a dénoncé l'LBD là ça nous capable dire celle différence nous t'ai constaté gain de LB lui-même t'es connan et avec gang régulièrement particulièrement barbecue et l'autre. Nous, et jusqu'au moment qu'on a parlé, nous pas même ça, mais ça pacifie avec ça que là, pas de résultat, même si c'est vrai, police a pas suffisamment moyen pour faire travail, mais il y a des femmes avec garçons qui veulent travailler, mais faut que vous mettez en condition, faut que vous ayez un chef tout, qui pas humilier yo, l'un des chefs là, depuis sous commissariat, arrivé dans plus haut niveau, et dans la police là. Parce que pour policiers capables de faire résultat, faut que vous senti, faut que vous retrouvez yo, en dedans et institution. Résultat yo là, bilan yo là, yo pas de progrès qui fait, au contraire, et situation vient plus grave, nous-mêmes, comme nous, c'est une situation qui liée tout avec question
absence de leadership, problème qui gagne au niveau des hauts états-major. Deuxième problème qu'on gagne, ou gagne des autorités n'a plus au niveau et dans l'état, par exemple, si on prend CPTA, et j'aime te prendre Gérald Gilles, j'en nous te prends exemple, et il n'est pas normal pour on à la présidence, non, à développer relation avec gang, à parler avec gang, et puis pendant ce temps, c'est dans le moment où parle avec eux, et puis ouais, gang, à terroriser la population, hein, et donc ça, son bagage qui est extrêmement grave, qui n'est pas bon, mais l'autre problème grave que nous gagnons à tout, et pour gagner un progrès, amélioration dans la question de sécurité dans le pays, il faut que la justice là joue un rôle. La justice haïtienne joue un rôle non négligeable dans la gangsterisation du pays. En deux minutes, MSF fait une cinquantaine de discussions entre temps, nous connaissons qu'il y a fait et il y a dénoncé des attaques de la police. Pour vous commenter sur ça, M. Espérance, des intimidations pour attaquer la police face au personnel et deux menaces. Écoutez, et ça qui vient dans. En quelques secondes, monsieur, s'il vous plaît. Ça crive, monsieur, sans frontières, ça fait déjà une semaine, fort problème, ça a été déjà résolu. Et son bagage qui est toujours qu'on fait déjà, il y a des attaques qui a fait sur et machine Médecins Sans Frontières, sur l'hôpital, et tout suite après, et tout annonce ça, mais fort, il y a des dispositions qui prend pour progressivement ouvrir l'hôpital. Et malheureusement, et ça pas fait, et absence de leadership, bon côté CSPN, là, et gouvernement et au niveau la police. Mais attention, hein, insécurité a lié tout avec corruption qui a gangrené et la justice haïtienne. Patron, bonne journée. Merci un peu, monsieur Espérance. C'était Pierre Espérance, un ami familial Noël la Caillou. Pierre Espérance qui parlait en pile causé. De l'autre côté, nous gagnons Arvel Jean-Baptiste, qui c'est ministre des Affaires étrangères, là, qui était devant le corps diplomatique, là, qui réaffirmait demande que Haïti était fait pour transformer force multinationale là, en force onusienne. Eh bien, l'imander avec le corps diplomatique là, pour appuyer demande Haïti, hein, les amis familiaux. Eh bien, là aussi, avec la Chine, ils étaient clairs, ils étaient posés droit de veto sur la question de transformer. Donc, mission qui là, une force onusienne, maintien de la paix. Et c'est que Otaremé garde des décisions que là aussi, avec la Chine, ils ont même, donc, quand tu es prêt, eh bien, cliquez dans la vidéo ça que nous prétendons. Nous, si vous pouvez vous abonner, nous inviter au fait ça, pèsez le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo et nous saluer tous les amis qui sont un peu partout. Donc, nous prétendons, dans la vidéo ça, nous inviter, cliquez qu'on y a.